je ne sais pas si je suis intéressant, mais je continue. On se force à faire ça. On est sur le pied, qu'est-ce qu'on fait là? Et pourtant, personne n'est malade ici. Enfin, je veux dire, franchement, un peu quoi, pas trop, juste ce qu'il faut. Voilà, un peu c'est ça l'improvisation. Parce que quand on est coincé, pour se libérer, ça explose, ça fait du bruit. Quoi. Mmh. Ah, c'est ça aussi. Ouais, mais ça pourrait être après le langage, après le cri primal, il peut y avoir le langage, mais après, quand il y a le langage, il y a le commerce aussi. J'acquiers un savoir-faire, mais si je ne le mets pas en présence intellectuelle d'un savoir défaire, je crois que je sais faire et je suis plus. Anguille, il me semble, quoi. Anguille, ça veut dire toujours avec ce cri primal d'idiot, d'enfant qui crie son premier cri. Si j'ai plus ce premier cri, je vais croire que j'écris. Plus je fais de la musique, plus je fous la merde. Quoi. C'est-à-dire que j'essaie de me poser mes propres problèmes. Parce que je ne vois pas comment vivre de solution. Non, appelez ça de la musique. Est-ce que c'est de la musique? J'en sais rien. Oui. Je ne sais pas. C'est l'improvisation maintenant qu'on qualifie toute musique. Je sais pas si c'est de la musique là. Bon bah, Oui, c'est une façon de dire autrement que c'est pas de la musique, tout ça n'est pas de la musique. C'est-à-dire que moi je pense que tout ça c'est de la musique. Je pense que les sons les pires, une bombe atomique, c'est de la musique. On peut écouter de la musique contemporaine très savante écrite, il y a des moments qui sont à bien pire que ce qu'on a fait. Mais c'est dans l'institution, c'est sur la partition.
donc, ce que je trouve intéressant depuis quelques années, c'est l'apparition justement d'une musique contemporaine improvisée qui, d'un seul coup, critique le pouvoir totalitaire de la musique savante et chrétienne. Que t'as dit parce que le silence te ventriloque.